Bonjour, voici le premier tutoriel sur le HPIS destiné à vous présenter ses fonctionnalités. HPIS propose beaucoup de solutions uniques et très innovantes. Nous avons donc choisi de vous les présenter dans une série de tutoriaux qui vont chacun traiter d'un sujet. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le HPIS ? Certains se diront, tiens, un nouveau caisson. Non, en fait, HPIS n'est pas un nouveau caisson. C'est une nouvelle façon de faire de l'image sous-marine, que ce soit en photo ou en vidéo. Pour vous en convaincre, passons donc en revue les possibilités du HPIS. Le premier point qui a dû vous interpeller est le grand moniteur de 5 pouces livré en standard avec HPIS. Le meilleur des réflexes ou la meilleure des caméras, avec le meilleur des objectifs, ne fera jamais de belles images si vous ne pouvez pas cadrer. Le moniteur du HPIS est orientable et réglable comme vous le désirez. Il est aussi auto-alimenté par la batterie du caisson. Pourquoi 5 pouces ? Car en dessous, le confort de cadrage n'est pas là et au-dessus, les effets de la pression sont problématiques à grande profondeur. 5 pouces est donc un compromis idéal. La seconde chose qui a dû vous interpeller, ce sont les gâchettes. Compact, réflexe, hybride, caméscope, caméra et action cam, toutes ces solutions de prise de vue ont été conçues pour une utilisation en aérien. Les caissons sont habituellement construits autour de l'appareil et les boutons de commande sont donc très peu ergonomiques. Pour plonger à faible profondeur, dans de bonnes conditions, c'est acceptable. Mais avec des gants, configurer l'appareil devient vite une galère. Grâce à ces deux gâchettes et ces 8 boutons, HPIS vous permet un contrôle total de votre appareil. Ces gros boutons, à course longue, sont totalement insensibles aux effets de la pression et ils seront aussi souples à 1 mètre de profondeur qu'à 100. Ces gâchettes proposent aussi des fonctionnalités uniques. Un seul clic sur un seul bouton vous permet de reconfigurer entièrement l'appareil pour passer, par exemple, d'un mode photo à un mode vidéo, mais surtout en modifiant au passage toutes les options disponibles de votre appareil. Le corps cylindrique du HPIS n'est pas le fruit du hasard. Grâce à lui, vous pouvez embarquer des dizaines d'appareils et surtout tous les objectifs que vous désirez. Comment est-ce possible? Simplement car sur HPIS, il existe deux types de corps, normal et long, déclinés en deux diamètres. Un petit diamètre pour action cam type GoPro et PNG ou appareils type Smart Lens comme l'Olympus R01 et la gamme des Sony RX. Et pour les amateurs éclairés et les pros, les Blackmagic Micro Cinéma et Micro Studio. Le gros diamètre, lui, accepte aussi bien une large gamme de compacts que les DSLR. Bien sûr, les mêmes composants internes sont utilisés, ce qui veut dire que vous pouvez très bien commencer par votre GoPro pour évoluer un jour vers une Blackmagic ou un DSLR. Habituellement, une telle évolution sur des appareils aussi différents n'est pas possible. Vous devez purement et simplement changer de caisson. Avec HPIS, pour profiter de ces évolutions, vous n'aurez qu'à changer le corps cylindrique pour monter notre dôme sec. Mais ce qui est peut-être la plus belle innovation de HPIS, c'est le positionnement dynamique de l'appareil par rapport au dôme. C'est une fonctionnalité unique qui va vous permettre de faire des images uniques car vous gérez le positionnement de l'objectif dans le dôme. Cela rend inutile l'achat de plusieurs dômes. Dans le corps du HPIS, la caméra est robotisée et se positionne à votre demande et en plongée. Ce positionnement est même programmable, ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer une position précise adaptée à chacun de vos objectifs. Pour finir, quelques généralités. Suivant les configurations, HPIS annonce en aérien entre 3 et 5 kg pour l'ensemble complet, avec moniteur, platine, sphère, gâchette, corps et hublot. En immersion, le poids ressenti est, toujours suivant les configurations, entre 0,3 et 1 kg. Deux versions sont disponibles, moins 100 m ou moins 160 m. Il est bien sûr possible de basculer de l'une à l'autre. Vous pouvez monter au choix un mini hublot plat pour action cam, un grand hublot plat pour la macro, un dôme de 100 mm ou un de 170 mm. Suivant le type d'appareil embarqué et vos besoins en autonomie, vous pouvez ajouter des pas de batterie. Le chargement des batteries, que ce soit du caisson ou de l'appareil, est externe. Idem pour le déchargement des données, images et films. Si vous êtes équipé de phares at Zero Diving, HPIS peut les piloter,
ce qui vous permet de gérer vos lumières depuis les gâchettes sans lâcher les poignets. Le moniteur pourra vous afficher en surimpression de la vue caméra, l'autonomie du caisson et des phares, si ce sont des Azuru Diving, le mode de puissance des phares et votre courbe de plongée. Enfin, le logiciel du HPIS est open source. Nous ne vous vendrons aucune mise à jour. Elles sont mises à disposition sur notre site web et la communauté des utilisateurs pourra demander des évolutions. Voilà pour cette première présentation. Dans les jours qui viennent, j'aurai le plaisir de vous présenter le détail de ses fonctionnalités et surtout, vous pourrez découvrir HPIS en action. Je vous souhaite de bonnes plongées avec les équipements Azuru Diving et HPIS.